Et pour cette deuxième partie de Kin Direct, c'est avec deux jeunes de la diaspora congolaise, spécialement du Canada, que nous allons justement clôturer ce magazine avec vous en direct. J'ai l'honneur donc de recevoir et de saluer à la fois d'abord Gilbert et Mongo. Bonsoir, bienvenue à vous. Merci beaucoup, bonsoir. Alors, à côté de vous, c'est Sarah Boto. Bonsoir, bienvenue à vous également. Bonsoir, merci beaucoup. Alors, vous êtes des Congolais basés au Canada et qui s'emploient à pouvoir promouvoir le développement de leur pays. Donc, vous ne faites pas la politique, mais la question politique vous intéresse énormément. On va commencer par vous, Gilbert. Vous êtes membre de la dynamique de nationalistes congolais de la diaspora. Qu'est-ce que c'est et que faites-vous là-dedans? Je ne suis pas seulement membre. Je suis l'initiateur, je suis le visionnaire, je suis le promoteur de cette structure basée au Canada aujourd'hui. Nous croyons au développement de la République démocratique du Congo par la jeunesse. Mmh. Et nous sommes là, dans cette structure, pour essayer d'éveiller la conscience de la jeunesse congolaise, se trouver en Amérique du Nord. Pour quelqu'un de la diaspora, j'aimerais savoir, vous êtes né là-bas? Non, je suis né ici, en République démocratique du Congo. Vous êtes arrivé à quel moment comme ça? Deux à trois ans que je suis au Canada. Deux à trois ans seulement, vous avez mis en place une telle activité, une telle chose. Ouais. Effectivement, lorsqu'on sait ce que l'on veut, on n'a pas du mal à atteindre les objectifs que nous fixons. Effectivement. Alors, Sarah Boto, également, vous êtes membre de la même dynamique? Exactement. Oui. Moi, je suis le fruit, justement, de cette dynamique. La dynamique des jeunes nationalistes congolais au Canada, en fait, c'est une dynamique qui essaye de rassembler ces personnes-là qui ont peut-être perdu leurs racines. Moi, j'ai quitté le Congo lorsque j'avais 4 ans. Ouais. Je suis congolaise de père et de mère, née à Kinshasa, mais j'ai perdu un peu une certaine attache au Congo, mais grâce à des structures comme celle-là, ça nous permet un peu d'avoir une attache à notre pays. Dernièrement, j'ai participé à la conférence le 25 mai et j'ai pu élaborer un projet pour le pays. Alors, on va justement parler de cette conférence. Monsieur le visionnaire, c'est quoi justement cette dynamique? Comme l'a dit Sarah, vous essayez de mettre en place quelque chose qui va ramener le cœur des Congolais de la diaspora à leur pays, un peu comme je fais allusion à ce que dit la Bible souvent en fait. Effectivement, donc, comme vous venez de le dire, c'est une dynamique qui a pour but de ramener les cœurs des Congolais qui sont à l'étranger, à leur pays, oui. Mais aussi et surtout instruire ces Congolais qui sont nés par exemple là-bas, qui ont grandi là-bas. Qui sont les plus jeunes, comme un qui a oublié de son pays d'origine. Par exemple, elle. Mmh. Et puis, dans la structure, il y a beaucoup de jeunes Congolais qui se sont démarqués au Canada. Alors que ces jeunes, leurs domaines respectifs, peuvent venir contribuer au développement de notre pays. Alors moi, j'ai pris cette initiative d'instruire ces jeunes, leur montrer ce qui n'avance pas au pays et leur faire comprendre que leur intervention sera nécessaire pour développer notre pays. Par exemple, elle travaille à la Défense nationale du Canada et dans la structure, on a beaucoup de personnes comme la Défense nationale. Au ministère de la Défense nationale du Canada. Le ministère de la Défense nationale du Canada. Oui, et dans la structure, on a beaucoup de Congolais comme ça. Les autres sont maires de ville, les autres sont gouverneurs. Il y a beaucoup de jeunes. Alors, c'était facile pour vous de pouvoir leur montrer que votre pays a encore beaucoup à demander de vous. Votre pays est merveilleux, c'était facile parce qu'il n'y a que 3 ans, il y a 4 années, vous étiez encore ici, c'est ça? Effectivement, mais moi, j'ai commencé ma vision depuis ici. Oui. Et de temps à autre, j'organise des ateliers, on m'invite dans des conférences. Alors, quand je vais dans ces conférences, je raconte le jeune Congolais, les jeunes Congolaises également. Et lorsqu'ils m'approchent, je leur fais part de ma vision. Alors, vous faites quoi au Canada, vous, maintenant, là, Je suis encore étudiant étranger. Je suis allé là-bas étudier, effectivement. Et vous avez mis en place une dynamique qui regroupe les employés, des personnes d'un autre âge, justement. Alors, on va parler de cette conférence. C'était quoi la conférence du 25 mai? Et pourquoi vous êtes à Kinshasa, maintenant? Je suis à Kinshasa parce que la conférence du 25 avait pour but de prendre les autorités qui sont ici à Kinshasa pour que ces dernières puissent aller rencontrer la jeunesse de la diaspora et réfléchir ensemble sur les pistes de solutions que la jeunesse de la diaspora propose pour le développement de la République démocratique du Congo. Alors, comme il est de coutume, après avoir promis quelque chose, il faut revenir pour donner les rapports. Voilà pourquoi je suis ici, pour donner les rapports et les comptes rendus de l'événement. Et qu'est-ce que ça a donné en gros? Alors, comme toujours, la jeunesse est mobilisée, la jeunesse est motivée. La majorité ont déjà des projets qui vont descendre ici, certes financés par eux-mêmes,
la plupart des projets. Et c'est un peu ça. C'est les résultats que nous, on est en train d'attendre. Que la jeunesse puisse reprendre la conscience. Et que les jeunes qui se sont démarqués, qui ont les moyens, qui puissent chacun, selon qu'il s'agit de sa province, rentrer pour venir faire quelque chose pour le pays. Et c'est ce projet notamment que vous avez mis en place. Qu'en est-il ce projet? Qu'est-ce que ça peut apporter à notre pays, à la RDC, votre pays d'origine notamment? Exactement. Avant de répondre à votre question, je tiens à souligner que je ne suis pas en mission de service pour la défense nationale. Je parle en tant que patriote congolaise. C'est très important de pouvoir le préciser. C'est très important de préciser oui, ça. Oui, 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 c'est bien compris. On l'aura compris même parce que vous n'êtes pas ici mandaté par votre structure. Oui, et allez-y. Exactement. Donc, moi, j'ai apporté un projet de coopérative en, agricole en zone rurale. Donc, nous voyons souvent qu'il y a de l'agriculture qui se fait au Congo, mais beaucoup se basent à Kinshasa ou dans les environs très proches de Kinshasa. Alors, nous, notre particularité, la particularité de mon projet, c'est que nous, on veut commencer dans les zones rurales et on veut toucher en fait cette population de jeunes qui fait partie de plus de 50% de notre population. Par exemple, mon projet, on va le commencer vers le coin de Lokalo, à la Chuapa. Et c'est là-bas, où vous êtes originaire? Oui, c'est de là où je suis originaire, effectivement. Mmh. Et vers les années 1970, il y avait le parc de la Salonga qui était un peu envahi par les habitants de ce coin-là. Alors, ils ont été chassés de ce parc, bien évidemment, parce que c'est un parc qui est protégé par l'État. Et donc, ces gens-là se sont retrouvés à la rue et sans manière de pouvoir s'alimenter parce que c'est dans ce parc-là qu'ils s'alimentaient. Donc nous, on a trouvé que c'était une solution, en tout cas, de pouvoir apporter une coopérative qui leur donnerait des outils et des formations nécessaires pour pouvoir faire de l'agriculture et pourquoi pas continuer à développer ces coins-là. Et à partir de cette province-là, nous allons aller dans toutes les provinces du Congo si possible. Pour l'instant, ce n'est que des fonds propres. On a déjà commencé à approvisionner à peu près 50 personnes d'outils. Donc, on a commencé le projet comme ça. Espérons que par la suite, nos fonds seront suffisants. Et en quoi est-ce que la dynamique et la conférence vous a été utile donc, par rapport à votre projet? Elle m'a été très utile parce que, premièrement, c'est la première fois que je m'exprimais devant mes compatriotes. J'ai senti comme ce sentiment d'appartenance et ça m'a permis en fait de lancer un appel pour pouvoir aider dans ce projet-là. Pas forcément financier, mais des outils, des conseils, etc. Donc c'est vraiment dans ce sens-là que la dynamique m'a aidé, elle m'a donné une exposition. Elle dit qu'elle a été très contente de se retrouver en face de ses compatriotes. J'entends dire que la diaspora congolaise ou les Congolais qui sont à l'étranger sont souvent solidaires, que quand il s'agit de la boisson, de boire, de siroter quelques bières et de danser, mais qu'au fond, il n'y a vraiment pas une sorte de... Ils ne se serrent pas le coude, ils ne sont pas unis comme le feraient ceux de l'Afrique du Nord, etc. Est-ce les constats que vous avez eus aussi une fois arrivé au Canada, ou peut-être le Canada fait figure d'autre chose? Non, dire que la diaspora est dans la boisson et dans tout ce que vous venez de dire, c'est un mensonge cousu à fil blanc. Tout comme ici à Kinshasa, chacun de nous a toujours un entourage qui impacte positivement ou négativement. Mais je crois... Mais sinon, ils arrivent à faire quoi, les Congolais, quand ils sont à l'étranger? D'autres font des affaires, ils font du business entre eux. On voit beaucoup d'étrangers ici au pays, ils sont solidaires. En France, par exemple, les Maghrébins, ils se serrent le coude. Ils et nous aussi, nous sommes là. Oui, les constats que vous avez faits, justement, de cette diaspora, alors, au Canada particulièrement. Quand moi, je suis arrivé, les constats que j'ai à faire, je n'ai pas trouvé les Congolais dans la distraction, mais il manquait mais ce qu'on appelle... Mais ils étaient unis au moins. Ils avaient des c'est de ça que je vais parler, monsieur le journaliste. Oui. Ce qu'on appelle le manque d'un leadership. Voir, quand on arrive à l'étranger, la majorité de Congolais aiment se diriger seuls. Donc, toute structure qui n'a pas de tête n'a pas de destination fixe. Alors, à partir du moment où moi, j'ai pris cette résolution de réunir les Congolais, croyez-moi, il y a beaucoup d'actions que nous sommes en train de poser, que ce soit au Canada, que ce soit ici en République démocratique du Congo ou même dans d'autres pays africains. Donc, les Congolais de la diaspora, surtout la diaspora congolaise du Canada, nous sommes unis, nous sommes en train de poser de bonnes actions concrètes. Par contre, les Africains des autres pays nous envient. Okay. Ce qui fait même en sorte que nous sommes comme une référence au Canada, à Montréal. Les Tchadiens viennent nous solliciter, les Camerounais viennent, les Ivoiriens viennent.
Alors, dire que la diaspora congolaise, une fois à l'étranger... J'ai déjà entendu. Hein. Voilà. Alors, ce sont des affirmations gratuites. Donc, ce n'est pas ça. Les Congolais sont conscients. Les Congolais font quand même des bonnes choses. On ne doit pas toujours montrer les côtés négatifs des gens. Certes, il y a certains Congolais qui sont dans la distraction. Je pense que même ici à Kinshasa, mais cela n'exclut pas le fait que vous, vous êtes journaliste et l'autre est médecin et chacun se démarque dans son domaine. Justement, merci Gilbert Mungo. Alors, aujourd'hui, quels sont les éléments d'attache que vous avez maintenant à votre pays, à la RDC, que vous n'aviez pas autrefois? Je dirais que lorsque je grandissais, en tout cas, étant une personne et ayant grandi à l'étranger, on peut dire presque née parce que j'y suis arrivée quand j'avais 4 ans, il y avait beaucoup d'images négatives qui étaient instruites tout autour de nous. On nous disait que le Congo n'était pas bien, le Congo n'était pas intéressant, il y avait ceci et cela. Et donc, en grandissant, beaucoup de personnes qui ont grandi à la diaspora ont eu une image négative du Congo et ne veulent pas rentrer. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, si vous m'auriez dit si je voulais rentrer, j'aurais beaucoup hésité sur la question. Mais en partant dans des forums comme ceci et en ayant la vraie information à travers de certaines collaborations que la Dynamique a avec les gens sur place et en nous faisant voyager pour voir le pays, ça nous permet de changer en fait cette idée que nous avons et justement créer des attaches. Gilbert Mungo, vous êtes ici pour restituer cette conférence organisée le 25 mai. Comment ça va se passer et à qui vous allez donner justement ou faire cette restitution? D'abord, comme notre invité numéro 1 était le chef de l'État. Il était là? Non, il n'était pas là malheureusement, avec son emploi du temps chargé. Il n'était pas là, mais je pense que ici, avec vous, nous avons la chance de communiquer avec tous les Congolais, même les premiers citoyens du pays. Je pense qu'ici, nous pouvons donner le compte-rendu de l'événement. Justement. Alors, le compte-rendu, peut-être prochainement, c'est ça? Même prochainement, oui. Prochainement, puisque c'est quand même un événement qui a pris beaucoup d'heures, plus de 8 heures du temps. Donc, on ne saura pas résumer ça à moins d'une heure ou à quelques minutes. Mais je pense que prochainement, je viendrai parler de l'événement. Alors, s'il faudra que je puisse lancer un message, ce qui nous a motivés, ce qui nous a poussés à organiser cet événement, je prends ça de votre question que vous venez de poser par rapport à l'image négative que les gens ont du Congo. Pas plus tard que 3 mois, je suis allé dans une ville au Canada, comme tous les touristes, je suis allé visiter, j'ai rencontré une petite fille blanche qui m'a posé la question de savoir « Est-ce que vous vous amusez aussi chez vous au Congo ?» Rassurez-vous que c'est une question que j'ai reçue comme un coup dans mon cœur. Mais cette fille n'a pas tort. C'est juste l'image qu'elle voit à la télévision. Donc nous, vous qui êtes journalistes, c'est vous qui êtes leader d'opinion, tous les Congolais collectivement, lorsque nous parlons du pays, je sais, même au Canada, tout ne va toujours pas bien. Dans chaque famille, il y a des problèmes. Dans chaque pays, il y a des problèmes. Mais essayons au moins de montrer les côtés positifs de la République démocratique du Congo. C'est l'unique pays que Dieu nous a donné. C'est ce que fait cette chaîne, notamment. Effectivement. Vendre positivement l'image de la RDC et de ses institutions. Effectivement. Le Congo nous a donné ses premières matières nutritives. Par exemple, cette dame. Ça fait très longtemps qu'elle est au Canada. Elle travaille pour la Défense nationale du Canada. Mais elle pouvait aussi venir ici contribuer significativement au développement du pays. Et dans ma structure, j'ai beaucoup de jeunes comme ça qui travaillent dans les ministères, qui travaillent dans les cabinets de ministres, qui sont maires de villes, qui sont mairesses, qui sont même gouverneurs au Canada, de Congolais. Alors, si nous allons résumer toute une population à cause d'un groupe d'individus qui partagent négativement l'image de notre pays, le pays ne va pas aller de l'avant. Alors, si vous me permettez, même à quelques minutes, même 2 minutes, de parler d'une situation, puisque vous avez abordé cette question. Le problème du Congo est très profond et il est très grand. Et nous, en tant que jeunes, nous devons tous comprendre que par rapport au problème du développement de notre pays, il n'y a pas les diables d'un côté et les anges d'un autre. Nous sommes tous collectivement impliqués. Et si nous voulons que les choses puissent changer dans notre pays, chacun dans son domaine respectif doit faire en sorte que les choses puissent aller de l'avant. Nous sommes malheureux de constater, moi j'étais à province avant d'aller au Canada,
Nous sommes tout le temps dans des chaînes de télévision. Tout le monde est devenu aujourd'hui politicien, même les médecins. Nous sommes malheureux de constater que nous-mêmes... La politique, c'est le domaine le plus attractif maintenant. Effectivement, parce qu'il y a des gens qui partent en politique chercher de l'argent. Donc, en réalité, ça devrait être un domaine parmi tant d'autres et ça devrait être un domaine où on a le plus besoin. La population, peut-être les problèmes des politiques eux-mêmes. Non, ça commence par la population. Par la population. Je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Moi, j'étais en province. Quelle province? J'étais à la province du Sankoro. J'étais à Lodja. Je laisse ma province tout jeune. Je viens ici étudier. Je faisais la médecine à l'université de Kinshasa. Dans ma province, jusqu'à aujourd'hui, les infirmiers font les opérations chirurgicales. Nous arrivons ici à Kinshasa à médecine. Je constate qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui se démarquent positivement, qui ont des diplômes. Mais tellement ils sont complexés lorsqu'ils finissent les études, ils passent à la télévision, ils commencent à critiquer. Et la majorité, lorsqu'ils passent à la télévision, c'est pour se plaindre. Il n'y a pas d'emploi. Mmh. Et la conséquence, nous avons des médecins montards. Nous avons des médecins cabinistes aujourd'hui. Alors, si tous les médecins qui sont venus, tous les étudiants qui sont venus de la province restent ici à Kinshasa, et leur unique boulot, c'est se plaindre, qui va aller développer, qui va aller soigner les patients dans cette province? Donc, si nous voulons que le développement véritable puisse avoir lieu dans notre pays, tout le monde doit comprendre que chacun de nous, selon nos origines, nous devons rentrer pour aller faire avancer les choses chez nous. Un médecin qui quitte la province du Sankoro, arrivé ici, il reste ici parce qu'il n'y a pas d'emploi en province, il devient motard, c'est quelqu'un qui a perdu la tête. C'est pourquoi moi, dans ma vie... C'est vrai que vous ne faites pas la politique, mais vous vous intéressez quand même à elle. Ouais. Vous la regardez de très près, puisque vous avez même tenté d'inviter les chefs de l'État à votre conférence. Est-ce qu'aujourd'hui, avec toutes les actions menées par Félix Tshisekedi, je ne veux pas que vous le dites juste parce que vous avez essayé de l'inviter. Le pays est-il dans la bonne direction? Il y a 3 années, est-ce que c'est le même pays que vous aviez laissé? Avez-vous trouvé quelques changements? Très belle question. Je ne le dirai pas puisque j'ai invité les chefs de l'État parce que je ne l'ai jamais rencontré et je ne fais pas la politique. Je suis citoyen conscient et lorsqu'il faut répondre à une question, je n'ai pas besoin d'être libre. Et puis de sur quoi quelqu'un s'en fout. Je vais répondre. À toute sincérité, il y a beaucoup d'avancées. D'accord. Vous savez, dans la vie, à force de ne pas savoir ce que l'on cherche, on risque de ne pas connaître ce que l'on trouve. Très souvent, nous avons besoin d'un Messie, d'un Jésus qui va venir nous donner du miel. Tant que par rapport au développement d'un pays, nous devons observer et voir aussi les choses qui avancent. Il y a beaucoup de choses que moi, je n'ai pas laissées au pays, que j'ai trouvées. Donc moi, je ne saurais pas dire ici que rien n'avance. Par rapport à la vision du chef de l'État. J'ai posé la même question à Sarah Bourotto plutôt. Le pays que vous avez vu à votre arrivée vous a inspiré quoi, personnellement, en tant que quelqu'un de la diaspora? Oui. La première fois que je suis arrivée au Congo, c'était en 2014. Et puis après, c'est 10 années pratiquement. Oui, après, presque chaque année, je revenais au Congo. Il y a une très grande différence, bien sûr, entre l'Occident et le Congo, mais on ne peut pas les placer sous le même piédestal. Mmh. Le Congo, en tout cas en Occident, on appelle cela comme un pays en voie de développement. De 2014 à 2024, j'ai vu plusieurs choses changer, notamment ce qu'on appelle communément ici le saut de mouton. Lorsque j'étais en 2014, il n'y avait pas cela. Oui. Donc... C'est vrai qu'il y a, de très fortes différences, mais je garde un œil positif là-dessus et je ne veux pas contribuer à ceux qui salissent le pays. Merci beaucoup de votre passage. C'était un réel plaisir, en tout cas, de faire cet échange avec vous. J'espère que vous reviendrez pour la restitution. Alors, on va voir dans quel cadre l'affaire, pourquoi dans une émission, peut-être ailleurs. Merci infiniment à vous et bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup. Voilà, c'est avec Sarah Bourotto et Gilbert Imongo, des Congolais et de la diaspora basés au Canada, que nous mettons un terme à ce Kin Direct. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous. Le programme de votre chaîne continue à 19h. Donc, dans quelques minutes, ce sera le journal avec Christopher Ochokoum. La matinale revient demain, le jeudi, avec Jean-David Kilolo. Au revoir.